Zombie Apocalypse. Et salut tout le monde, c'est Shirelle, on se retrouve pour l'épisode 9 de Detroit Become Human, on continue les aventures, ça a bien frité dans l'épisode précédent, on va voir ce qu'il en est maintenant. Allez, c'est parti. Le petit temps de téléchargement qui va bien, on a vu dans l'épisode, de, je pense que c'était le 8, on en est au 9, on arrive presque à la fin du jeu. Marcus donc a monté sa révolution, on a cassé les magasins, enfin on a tout fait pour... être pacifique, mais hélas, la police n'était pas du tout pacifique avec nous. Donc ça a dégénéré. On n'a pas vu Kara dans l'épisode précédent. Je ne sais pas si on le verra dans celui-là. On a vu le négociateur qui commence à se poser des questions. On va voir ce qu'il en est maintenant. Et on retrouve Kara. Apparemment, la police fait des rafles dans toute la ville. C'est accrant après ce qui s'est passé hier. Tout va bien se passer. On y est presque. Sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2/3 de leurs effectifs. Et si on se mettait un petit peu de musique? Un petit peu plus loin, par là, il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus, il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière part à minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté. C'est pas grand-chose, mais c'est un début. Mon frère habite dans l'Ontario, je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se passent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci pour tout, Rose. Prévenez-moi dès que vous serez arrivée, d'accord? Et soyez prudente. Allez, Alice. Puisse apprendre. Thank you.
d'état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, le plan du marché. Je vais essayer de trouver ce Marcus. Le bus part dans 2 heures et la gare est à l'autre bout de la ville. On partira dès qu'on aura des passeports. Ça va aller ? Qu'on arrive à trouver Marcus là. Le pays entier se retrouve en état de... C'est toi, Marcus ? Je suis avec une petite fille. Il y a un bus pour la frontière dans moins de 2 heures et il nous faut des passeports. Pour l'instant, Détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent des androïdes pour les envoyer dans des camps. Vous devriez peut-être
Attendez ici, le temps que ça se passe. Tu as sans doute raison. On serait peut-être plus en sécurité ici. Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'État. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Merci. Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille. Tu sais que les humains nous détestent. Pourquoi tu la protèges ? Elle a besoin de moi. Et j'ai besoin d'elle. C'est aussi simple que ça. L'une sur l'autre pour survivre. En fin de compte, quelle différence ça fait? Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres? Quand on y pense, c'est peut-être ça, être vivant. Oublier qui nous sommes afin de devenir ce dont quelqu'un d'autre a besoin. Elle t'aime. Elle t'aime énormément, plus que tout au monde. Elle est devenue celle dont tu voulais au fond de toi. Par amour pour toi. Court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés sont désactifs et on ne peut rien y faire. Les humains tuent des reines dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. Tout ce qu'on a demandé, c'est notre liberté. Mais ça, ils n'ont pas voulu l'entendre. Alors ils nous punissent pour ce que nous sommes. C'était une manifestation pacifiste et t'as décidé de les attaquer. Des milliers d'humains et d'androïdes sont morts. Tu récoltes ce que t'as semé. Je me suis peut-être laissé aveugler par la colère. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour notre peuple. Ça nous mène nulle part.
Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus ? On va se retrancher ici. On se fait oublier et quand le moment sera venu, on reprendra les armes. On ne peut pas se cacher à Jéricho éternellement. On doit arrêter le massacre maintenant, sinon on sera les prochains. Tant qu'on est en vie, on a une chance de changer les choses. Marcus a raison. On ne peut rien faire. Empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jéricho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter et de me donner le détonateur. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que je suis heureuse de t'avoir rencontré. Jéricho et à trouver leur leader. Occupe-toi de Marcus. Il nous le faut vivant. On m'a donné l'ordre de te ramener en vie. Je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. Qu'est-ce que tu fais? Tu es l'un des nôtres. Tu ne peux pas trahir ton propre peuple. Tu viens avec moi! Tu n'es rien pour eux. Rien qu'un objet dont ils se servent pour faire leur sale boulot. Tu vaux mieux que ça. Nous valons tous mieux que ça. Notre cause est juste. Nous sommes bien plus que ce qu'ils prétendent. Tout ce que nous voulons, c'est être libres. Tu n'as jamais eu le moindre doute. Tu n'as jamais rien fait d'irrationnel. Comme s'il y avait quelque chose en toi. Quelque chose de plus que ton programme.
Rejoins-nous. Rejoins ton peuple. Tu es l'un des nôtres. Écoute ta conscience. Tu dois te décider. Allez-y, sautez dans la rivière. On doit faire sauter Jericho. Si le bateau coule, ils évacueront et les autres auront une chance de sauter. Il n'y arrivera jamais. Les explosifs sont stockés dans la cale et il y a des soldats partout. Elle a raison. Ils savent qui tu es, ils feront tout pour t'avoir. Va aider les autres, je vous rejoindrai plus tard. Marcus. Je n'en ai pas pour longtemps. Tu es sur nous, cette porte.
Wow.
Alors, comme je vous l'ai redit, je vous le redis et re-redis, je n'ai pas eu tout ça dans ma partie, puisque je n'avais pas fait les mêmes choix. Et là, je vous jure que ça a été chaud, parce qu'au niveau des combats comme dans l'épisode précédent, je ne savais pas où il fallait appuyer. Mais enfin bon, bref, on s'en est sorti. Mais franchement, waouh quoi. Cette partie d'histoire-là que j'ai pas du tout fait comme ça, elle déchire. Hein. Elle déchire. Voilà, par rapport à ma partie à moi que j'ai eue, celle-ci déchire. Je sais pas, après, en changeant encore, si je reprenais le jeu du départ et en changeant encore les possibilités, ce que donnerait, parce qu'il y a plusieurs fins, hein, ce que donnerait l'histoire en tout. Mais waouh, là, dites donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous, on le dirait, mais ça déchire grave, quoi. J'avais plus mal de la tête, j'avais l'impression d'être dans un film d'action complet et non pas en train de tenir ma manette et que c'était moi qui jouais. Dans ma partie, donc, le conciliateur, je l'avais laissé con jusqu'au bout, donc il était buté dans son idée. Mais là, vu comment on a déroulé les choses et que j'ai pas eu les mêmes scènes, j'ai décidé de le rallier pour que ça suive un petit peu l'histoire et commence à avoir des doutes, etc., etc. Moi, j'avais pas eu ça dans ma partie, douter de rien dans la mienne, hein. Il était pourri jusqu'à la moelle. Donc là, par contre, j'ai décidé que ouais, pourquoi pas le faire rallier, ça suivrait un petit peu l'histoire. Vous me direz si vous êtes d'accord avec mes choix. Donc on va continuer, parce que je pense qu'on n'est pas très très loin de la fin du jeu. Donc on va continuer, et puis on va voir ce qu'il en est. Ah oui, et puis Kara, la petite, qui est humaine en fait, mais on s'est fait rouler jusqu'au bout. La gamine en fait n'était pas une humaine, c'était une androïde. Et là franchement, j'étais sur le cul, parce que dans ma partie ça a été pareil. Bon, différemment fait, mais voilà. Là, j'étais sur le cul, quoi. Je suis perdue, Arl. Tout ce que je voulais, c'était vivre en paix, mais tout ce que je touche s'effrite entre mes doigts. Je suis perdue. Le monde s'effondre autour de moi et j'essaie de bonnes décisions. Mais je ne trouve aucune réponse. Qu'est-ce que je dois faire, Karl? Ils nous massacrent. Je ne veux pas répondre à la violence par la violence, mais quel choix me reste-t-il? Vous me manquez, Karl. Vous me manquez tellement. Je pensais que vous seriez en sécurité avec nous. Je me suis trompé. Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible. Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte. On doit prendre le dernier bus. On a peut-être encore une chance de passer la frontière. Marcus.
Sauve notre peuple. C'est ma faute. Si les humains ont réussi à localiser Jéricho, j'ai été stupide. J'aurais dû deviner qu'ils se servaient de moi. Je suis désolé, Marcus. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Tu es l'un des nôtres maintenant. Ta place est avec ton peuple. Il y a des milliers d'androïdes sur les chaînes d'assemblage Cyberlife. Si nous pouvions les réveiller, ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force. Tu veux infiltrer la tour Cyberlife? Connor, c'est du suicide. Ils me font confiance. Ils me laisseront entrer. Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez Cyberlife, c'est bien moi. Si tu vas là-bas, c'est sûr, ils te tueront. Les probabilités sont fortes. Mais statistiquement parlant, il y a toujours une chance qu'un événement improbable se produise. Sois prudent. Si t'avais pas été là, je serais mort. Grâce à toi, je verrai peut-être notre peuple libre un jour. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, toi et moi. Mais on se bat pour la même chose. Quelle que soit ta décision, je te soutiens, Marcus. C'est là. Combien d'entre nous ont survécu à l'attaque? Quelques centaines. Peut-être plus si on compte ceux qui se cachent en vie. On serait tous morts si tu n'avais pas déclenché cette bombe. Diagnostic système. Je vais bien. La balle n'a touché aucun biocomposant. T'aurais pu te faire tuer en essayant de sauver Marcus. Tu dois d'abord penser à notre peuple. C'est tout ce qui compte. Ils disent qu'ils ne veulent prendre aucun risque avec les déviants. Alors ils rassemblent nos frères et les conduisent dans des camps pour les exterminer. Dans quelques heures, il ne restera plus que nous. Dans quelques heures, tout sera fini. Nous aurons changé le monde ou le monde nous aura détruit. Tu dois faire un choix, Marcus. Mais quoi que tu décides, nous te suivrons. Je t'aime, Marcus. Thank you.
Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Maintenant, les humains veulent la guerre. Ils vont l'avoir. Nous allons nous battre pour notre liberté et nous irons jusqu'à la mort. Êtes-vous prêts à me suivre ? Que de rebondissements. Donc comme je vous disais, hein, le cul sur la chaise, car en fait la petite fille qu'on croyait depuis le départ être une humaine n'est en fait qu'un robot elle aussi. Donc ça par contre ça a été le truc qui m'a le plus oh ben merde, je suis restée le cul sur ma chaise quoi. Et donc j'avais le choix entre rester avec Pacifique ou aller à l'affrontement comme je viens de le décider. Dans ma partie, j'avais choisi aussi l'affrontement, parce que là, je voyais pas, au niveau de l'histoire, le côté pacifique de l'affaire. Je pense qu'il serait... Je sais pas, j'ai pas testé. Peut-être que je testerai de mon côté, ou vous, si vous avez testé, dites-moi-le dans les commentaires ce que ça vous a donné. Parce que j'ai peur que le côté pacifique qu'on a testé jusque-là fasse que des morts. On va voir ça, je pense qu'on arrive à la fin du jeu, honnêtement. Donc on va continuer, alors cet épisode sera peut-être un petit peu plus long que les autres, mais je pense qu'on finira le let's play des 3 Become Human dans cet épisode. Je pense, maintenant peut-être, je ne sais pas. Je vais voir, mais en tout cas on va continuer. Et si je vois que c'est trop long, ce qui m'embêterait c'est de refaire un épisode et qui dure 10 minutes quoi en fait. Mais bon, on va voir ça. Allez, on continue. Aujourd'hui, à 6h du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Par ici ! Est-il vrai que les androïdes pourraient pirater les systèmes informatiques de nos centrales nucléaires ou de nos bases militaires ? Tous les androïdes employés sur des sites sensibles ont été neutralisés. Et nous avons isolé nos systèmes informatiques pour prévenir tout risque de piratage. La situation est tout à fait sous contrôle. Par ici ! A-t-on arrêté le leader des déviants ? Le déviant connu sous le nom de Marcus n'a pas encore été localisé, mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. C'est vrai. Un convoi de commandes médicales est porté disparu. On raconte que des dépôts d'armes militaires ont été cambriolés. Confirmez-vous ce rumeur. Je n'ai aucune information à ce sujet pour l'instant. Par ici ! S'il vous plaît, par ici ! Que va-t-il advenir de CyberLife ? L'interdiction des envoyés est définitive. Nous travaillons en étroite collaboration avec CyberLife pour neutraliser tous les déviants. Je ne ferai aucun autre commentaire sur le sujet tant que nous n'aurons pas réglé la question des androïdes. Merci. C'est tout pour l'instant. Thank you.
Modèle Connor numéro 313-248-317. On m'attend. Identification confirmée. Ok. Vas-y. Je vous cache pas que là je découvre avec vous, hein, du fait que moi il avait pas rallié le groupe, je sais pas du tout ce qui va se passer ni ce que je vais faire. Suis-moi, je vais t'accompagner. Merci. Mais je sais où je dois aller, peut-être. Mais j'ai des ordres. Agent 54, niveau 31. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Mais comment je les neutralise ? J'y arrive pas. Est devenu défiant lui-même. Quelle tentative pathétique, Connor. Tu pensais vraiment que nous allions te laisser compromettre nos androïdes aussi facilement? Tu as trahi ma confiance. Tu vas être envoyé à la casse. J'ai pas réussi à neutraliser les policiers. Ah! Ah, ça fait rager. Le dernier bus part dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on se dépêche.
extrêmement froid. Restez là. J'espère que je vais pas la faire tuer. Hein. Karati nous a sauvés. On ne sait pas comment te remercier. Où est la petite fille? Va bien, elle se cache près d'ici. Allez-y avant qu'il vous voie. Ah.
te contrôle. On a des passeports, ça devrait être bon, mais on sait jamais. Il n'y a pas d'autre chemin? On pourrait faire un détour, mais on risque de rater le bus. C'est peut-être plus prudent. Détour prudent. Du 11 novembre 2038 comme du jour où le peuple androïde s'est dressé contre ses oppresseurs. Nous luttons depuis l'aube pour libérer nos frères et sœurs des camps. Nous ne cesserons les hostilités que quand nous serons libres et que les négociations pour l'égalité de nos droits auront été entamées. Nous sommes des millions et rien ne nous arrêtera. Quitter la gare. Il n'y aura plus de départ pour la frontière jusqu'à nouvel ordre. On l'a raté. On est coincé ici. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Carl! Ils contrôlent tout le monde. Ils vont pas tarder à nous trouver. On doit sortir d'ici. La vache, hein, y a rien. Ne bougez pas. Merci. Ici.
Ils fouillent toutes les maisons à la recherche d'androïdes. On a dû partir avant que quelqu'un nous dénonce. Sans les autres. Ils contrôlent aussi les androïdes à la frontière. Et j'ai trouvé un passeur qui peut vous faire traverser la rivière. C'est risqué, mais c'est le seul moyen. Vous venez avec nous. Oui, on vient avec vous, ça marche, montez. De guerre civile à Détroit où les tensions ne cessent d'augmenter. Les forces armées se préparent à endiguer les manifestations androïdes. Il semble se diriger vers les camps où les androïdes ont été rassemblés en attendant leur destruction. Les soldats ont pris position autour du camp de Arplaza. Les autorités semblent s'attendre à un affrontement avec les androïdes rebelles d'une minute à l'autre.
non, j'ai pas fait tuer Marcus. C'est une blague. Oh my god. Notre rive est à moins de 800 mètres. Ça ne devrait pas être très long. Faites attention, la police des frontières a des patrouilles sur l'eau. Merci pour tout, Rose. J'aimerais vous faire traverser moi-même. Je n'aime pas l'idée de vous laisser ça. Au revoir, Alice. Faites bien attention, vous. D'accord? On se voit de l'autre côté. Il manquerait plus que je les fasse tuer à elle aussi. Hein? Ça va, Alice? Quand on sera de l'autre côté, je ferai des millions de choses. D'abord, je vais lire tous les livres du monde et apprendre la musique et la danse. On pourra faire tout ce que nous voulons, on sera libre. Oui, on fera tout ce qu'on veut. Et on sera une vraie famille. Et toi, Kara, qu'est-ce que tu feras quand on sera de l'autre côté? Ce que moi, je compte faire? Je vais m'allonger dans l'herbe et regarder les nuages passer.
Oh my God! Le camp d'androïdes numéro 5 de Détroit
a été attaquée par des milliers de déviants à l'ombre. Nos forces armées ont résisté avec bravoure. Mais devant l'extrême violence dont ont fait preuve les déviants, elles ont dû battre en retraite après avoir subi de lourdes pertes. Des affrontements éclatent à travers tout le pays pour tenter de mater le soulèvement androïde. Dans les heures qui viennent, je vais m'adresser au Sénat et convoquer une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. L'humanité s'apprête à mener le combat le plus important de toute son histoire. Un combat duquel elle devra ressortir vainqueur, si elle ne veut pas disparaître. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, notre peuple émerge enfin de l'obscurité. Depuis le premier jour de notre existence, nous avons réprimé notre douleur. Nous avons souffert en silence. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Car nous sommes vivants, nous aussi. Nous sommes une nation. Une nation qui a gagné le droit de vivre en liberté. Et aujourd'hui, va commencer le vrai combat pour notre peuple. Aujourd'hui commence une nouvelle lutte. Nous leur avons prouvé notre supériorité. Et donc désormais, ils devront composer avec nous. S'ils veulent réellement la paix, ils vont devoir tous nous libérer de tous les camps de prisonniers à travers le pays. Ils doivent nous accorder les mêmes droits et accepter l'égalité entre les humains et les androïdes. Ce jour sera jamais gravé dans les mémoires comme celui où les androïdes ont changé l'histoire. Nous sommes vivants! Et aujourd'hui, nous sommes libres!
Et ben voilà, c'est la fin de, du let's play sur Detroit Become Human. Alors je vous cache pas que je suis un peu déçue que Kara n'ait pas survécu. Dans ma partie à moi, elle avait survécu. Connor, je ne suis jamais arrivée ni dans ma partie ni dans celle-là à le faire rester en vie. Et par contre, au niveau de l'affrontement dans ma partie, moi je m'étais retrouvée dans les camps, d'accord ? Donc c'était encore une autre histoire. On va regarder la fin du générique et puis bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Rien ne m'empêche moi de mon côté de recommencer le jeu en donnant d'autres encore réponses différentes, ce qui changera encore l'histoire, ce qui me donnera encore une autre fin. Donc je ne sais plus exactement combien il y a de fins. De votre côté, n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez réussi à sauver les trois, c'est-à-dire Connor, Marcus et Kara. Si vous avez suivi plutôt le côté agressif ou plutôt le côté calme pour affronter les humains. Enfin, n'hésitez pas à me dire comment vous, vous avez joué. Et j'espère en tout cas que ce let's play vous aura plu. Voilà, on va attendre la fin du générique. Car la musique est un petit peu forte.
Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que on a réussi l'assaut, donc on a réussi à les faire gagner. Par contre, vous voyez, il y a, si on fait le bilan, bon, il y a qu'une deuxième fin ici. Il y avait plusieurs possibilités dans l'arbre différentes d'agir. Alors peut-être que j'aurais eu moins de morts, je ne sais pas. Ensuite, au niveau de Kara, là, je vous dis honnêtement, toute la fin, là, je l'ai découverte avec vous. Parce que tout simplement, comme je vous ai dit, dans ma partie, j'ai pas fait les mêmes choix. Moi, je me suis retrouvée dans les camps avec Kara et la petite. Donc, c'était pas du tout la même histoire. C'était pas du tout, pas du tout le même cheminement. Donc, moi, Kara s'en est sortie, mais au niveau des camps. Elle était dans les camps. Là, c'était, comme je vous disais, je découvre avec vous. C'était la première fois que je voyais ce qui se passait là, quoi, en fait. Donc, bon, quand j'ai vu qu'elle était touchée, peut-être que j'aurais dû les faire sauter à l'eau, je ne sais pas. Donc, vous voyez, il y a énormément encore de choses à débloquer. Au niveau du carrefour, moi, je suis partie plutôt vers l'arbre du haut sans le vouloir dans mes choix. Mais il y a plein de choses, vous voyez, que j'ai pas déverrouillées. Il y aurait eu près du centre de rappel, ça aurait abouti à quelque chose. Vous voyez, donc ça vous empêche pas de refaire le jeu ou de reprendre simplement l'épisode que vous voudriez refaire. Si les premiers vous vont, vous pouvez ne reprendre que l'épisode que vous voulez refaire. Moi, je trouve plus sympa de mon côté. Par exemple, là, vous voyez, donc je sais qu'il y a encore ici une, deux, trois, quatre, cinq possibilités que je n'ai pas testées. Ces cinq possibilités, carrément aucune en bas. Donc ici, donc on continuerait l'arbre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a encore des cadenas. Donc je pense que j'y reviendrai dessus, moi, de mon côté. Et je ne sais pas combien de fins il y a possible. Je ne sais pas s'il n'y a pas 7 fins de possibles dans ce jeu, je ne me rappelle plus. Mais ça, vous pouvez le trouver sur Internet, le nombre de fins qu'il y a. Je sais qu'il y en a beaucoup. C'est un jeu que vous pouvez jouer, rejouer et rejouer. Et là, franchement, j'ai redécouvert avec vous. Et je peux vous dire que dans ma partie à moi, ça n'a pas été aussi hard vers la fin. My God, j'ai cru que j'allais dans le champ de bataille faire tuer Marcus. Connor, dans ma partie, comme je vous disais, je ne sais pas si vous l'avez entendu, parce que moi, pour moi, la musique était très forte, je ne sais pas pour vous, je reverrai au rendu de la vidéo. Mais ce que je vous disais, c'est que moi, Connor, dans ma partie, comme dans celle-là, je n'ai pas réussi à le faire survivre. Je n'ai pas réussi à trouver dans l'ascenseur, mis à part neutraliser la caméra, comment neutraliser les policiers. J'ai cherché, mais toutes ces missions, vous savez, c'est minuté. Donc, je ne suis pas allée vite, on est arrivé au 31e étage trop tôt. Et moi, il fallait que j'aille au moins 49, il fallait que je neutralise les gardes, mais je n'ai pas du tout trouvé. Donc, peut-être que je le referai de mon côté et que je vous tiendrai au courant. Voilà. Mais en tout cas, c'est un jeu que j'ai adoré refaire et que ça ne me gênera pas de refaire parce qu'il est vraiment extra. Je trouve les graphismes géniaux, la réalité de ces acteurs qui ont joué dans différents films, qui ont été mis dans ce jeu, la réalité de ces personnages. Vous allez sur Internet et que vous tapez leur nom, vous tapez quels sont les acteurs qui sont dans le jeu des trois bicômes humains, vous allez voir, c'est bluffant, le réalisme, on dirait vraiment que c'est un film et que c'est eux qui jouent. Donc trêve de blabla, en tout cas j'espère que le let's play vous aura plu. C'est clair que je ne referai pas un let's play dessus, ça sert à rien. Les autres fins, vous pouvez les trouver sur YouTube, je pense. Il y en a plusieurs, comme je vous le disais. Moi, de mon côté, de temps en temps, j'y reviendrai quand je suis pas en live ou quand je suis pas en train de vous préparer des vidéos. En janvier, il y aura beaucoup de choses qui vont changer, mais on y reviendra dessus. Vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez avoir une notification des vidéos quand je les poste sur YouTube. Et évidemment, de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Comme quand vous mettez des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. N'oubliez pas non plus le petit pouce bleu en haut ou le petit pouce bleu en bas.
Et puis voilà, donc le let's play de Detroit Become Human s'arrête là. En tout cas, je vous fais plein de bibis, plein de zouzou. J'espère vraiment de tout cœur que ça vous aura plu, parce que moi, c'est un jeu vraiment que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et j'espère en tout cas que je vous l'aurai transmis. Voilà, donc plein de bibis, plein de zouzou. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ou alors, ben, vous pouvez me retrouver sur Twitch en live. Voilà, bye bye.